Vous êtes prêts? Allez, chacun a ses places alors. Vendez du plâtre pour du sucre, mettez du talc dans du lait. Si vous avez su faire fortune, sans susciter de plainte, vous deviendrez député ou ministre. Et enfin, qu'y a-t-il de si déshonorant à devoir? Est-il un seul État en Europe qui n'ait des dettes? Emprunter n'est pas voler, Virginie. Le mot n'est pas parlementaire. Le faiseur, c'est très lié à l'histoire de la vie de Balzac, c'est-à-dire la notion de débiteur et du créancier. Donc, bien entendu, la question de la créance, du débit, c'est fondamentalement, depuis la Révolution française, l'histoire de notre société. On n'a rien et on peut faire quand même de l'argent avec rien. C'est l'histoire du faiseur et c'est aussi le cycle de nos sociétés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en chute par rapport à cette spéculation, la pléonexie du toujours plus, toujours avoir, avoir, avoir. Et c'est ce qu'il chante à la fin dans la pièce. On vous appelle au partage du pouvoir, on ne vous demande pas ce que vous pouvez faire de bien, mais ce que vous pouvez faire de mal. Il ne s'agit pas d'avoir des talents, mais d'inspirer la peur. Tu seras, ton Adolphe, père de plusieurs enfants qui bouleverseront ses plans de travail. Et voilà toutes les espérances de la pauvre fille, l'aide envolée. Quel plaisir de faire des affaires avec vous. Les plaisanteries est hors de saison.